Voilà la chapelle de Sainte-Hélène. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Larcher pour vous parler de la sainteté dans l'Église orthodoxe. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Père Gifcot. Pour commencer cette émission, vous nous avez proposé de découvrir un lieu magnifique et peu connu. Oui, alors nous sommes ici en Lorraine, près de la petite ville de Cocherennes, sur un lieu historique connu depuis la Haute Antiquité qui s'appelle le Hérapel et qui a la particularité d'avoir une chapelle de Sainte-Hélène, ce qui est assez rare en Occident parce que Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin, est surtout vénérée en Orient où d'ailleurs beaucoup d'églises et de chapelles lui sont dédiées. Pourquoi ce lieu est-il dédié à Sainte-Hélène? Parce que selon l'histoire locale, elle a séjourné ici en l'an 293 parce que ici se trouvait une place fortifiée occupée par l'armée romaine. Elle a, semble-t-il, rendu visite aux soldats romains alors qu'elle se déplaçait sur un axe qui est à quelques dizaines de mètres d'ici et qui est la voie romaine qui relie Metz à Mayence. C'était une voie très importante. Les fouilles archéologiques ont montré qu'elle faisait 9 mètres de large, ce qui est assez considérable. Et donc, il y a eu depuis très longtemps, une vénération de Sainte-Hélène et même ici existait autrefois un monastère et semble-t-il aussi un ermitage. Et donc on peut voir que des pèlerins viennent encore se recueillir ici et y déposer des petites croix sur l'autel en utilisant une plante qui ne pousse que dans cette région de Lorraine, qui est la prêle d'hiver. Et donc c'est intéressant de voir comment il y a tout de même encore une vénération des saints de la part de chrétiens qui se rendent ici et qui prient devant la représentation de Sainte-Hélène. Donc c'est un endroit propice pour parler de la sainteté. Que signifie le mot sainteté? On peut définir la sainteté comme une certaine perfection de la vie chrétienne. Mais d'abord, la sainteté, il faut le dire qu'elle est un projet divin. Je me permets de vous donner quelques citations bibliques pour le montrer. Bon, on trouve déjà dans l'Ancien Testament cette parole attribuée à Dieu dans le Lévitique à plusieurs reprises. « Vous serez saints car je suis saint ». Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Thessaloniciens, saint Paul nous dit « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification ». Saint Pierre lui-même, dans sa première épître, nous dit « À l'exemple du saint, avec une majuscule, c'est-à-dire de Dieu qui vous a appelé, devenez saint vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, et là c'est un rappel justement du Lévitique, vous serez saint parce que moi je suis saint ». Alors, la sainteté, donc on peut dire que c'est le projet divin pour chaque chrétien. En quoi ça consiste? En une certaine perfection de la vie chrétienne. Je dis une certaine perfection parce que c'est une perfection relative, parce que seul Dieu est absolument saint et les hommes ne peuvent parvenir que relativement à cette sainteté. Ils le peuvent évidemment par la grâce de Dieu et le modèle de la perfection que les chrétiens ont pour devenir saints, c'est évidemment le Christ. Donc on peut dire que la sainteté, c'est la perfection de la vie en Christ. Le saint, c'est celui qui, le plus totalement possible, vit en Christ, avec le Christ, par le Christ, comme le Christ. Pourquoi? Parce que le Christ nous a montré en lui-même le modèle de la perfection de l'humanité accomplie. On parle beaucoup de développement personnel, en ce moment c'est une grande mode, et bien justement le christianisme propose le degré le plus élevé de développement personnel, c'est-à-dire d'une personne qui accomplit pleinement son humanité par la ressemblance au Christ. Et c'est lorsque l'homme peut on dire à réaliser cette ressemblance de manière très élevée, que l'on peut dire qu'il a atteint la sainteté. Jean-Claude, vous avez mentionné l'Ancien Testament. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a une différence entre la sainteté dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus-Christ, et après sa naissance?
il est vrai que nous vénérons les patriarches de l'Ancien Testament, les prophètes comme des saints, n'est-ce pas? Ils sont dans le calendrier orthodoxe, ils ont leurs fêtes. Pourquoi? Eh bien, parce que ces patriarches, parce que ces saints ont en quelque sorte anticipé la vie en Christ. D'abord, les prophètes ont annoncé la venue du Christ, mais les justes de l'Ancien Testament ont bénéficié d'une grâce qui leur a permis d'anticiper une certaine réalisation de la vie chrétienne. Ça peut paraître paradoxal, mais il ne faut pas oublier que pour le christianisme, c'est le Nouveau Testament qui éclaire, donne son sens et en quelque sorte donne sa pleine valorisation à l'Ancien Testament. Jean-Claude, dans l'Église orthodoxe, on vénère, on mentionne différents types de saints. Les patriarches, les prophètes, les évangélistes, les prédicateurs, les martyrs, les ascètes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces différents types de saints ? Oui, bien sûr, et pour cela, je vous invite dans notre église qui est située à quelques kilomètres d'ici, où nous verrons à travers les fresques et les icônes des illustrations concrètes de ce que sont ces différents types de saints. Bon, allons-y. Nous sommes maintenant dans notre église, qui est située dans le département de la Moselle, à Bétain, à quelques kilomètres de la chapelle Sainte-Hélène où nous étions précédemment. Et nous avons ici, évidemment, à travers les icônes représentées sur l'iconostase ou sur les murs, une illustration de différents types de saints. Il faut dire que la sainteté est unique d'une certaine manière dans la mesure où elle est conformité au Christ, mais elle peut aussi se réaliser de multiples façons en relation avec la personnalité propre de chaque saint et en fonction aussi des statuts ou des circonstances dans lesquelles les saints ont vécu. Il y a en tout premier lieu, parce que je ne voudrais pas l'oublier, la très sainte Mère de Dieu. C'est certainement le modèle le plus achevé de la sainteté, c'est pourquoi on l'appelle la toute sainte. Parce que d'abord, elle a enfanté le Christ, mais aussi parce que toute sa vie, elle a été préservée du péché par sa propre vie personnelle combinée à la grâce qui lui était donnée. Donc, elle s'est gardée pure absolument toute sa vie. Et c'est la plus sainte de tous les saints. Celle qui est aussi la plus proche du Christ, celle qui intercède au plus près du Christ pour tous les hommes, et celle que l'on dit dans nos hymnes que nous répétons souvent, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, ce qui signifie bien son très haut degré d'élévation. Alors, on peut citer les saints évangélistes qui sont toujours représentés sur l'iconostase parce qu'ils ont vécu avec le Christ, ils ont aussi témoigné de sa vie, de sa parole, ils sont des saints très proches de lui. On peut citer aussi les apôtres qui ont développé l'enseignement du Christ, qui l'ont explicité, comme saint Pierre ou saint Paul qui sont dans le sanctuaire. En deuxième lieu, il faut citer les martyrs, parce que les martyrs, ils ont été les premiers saints à être vénérés dans l'Église, et aussi parce qu'il y a eu dans les premiers siècles des centaines de milliers de martyrs. Tous ne figurent pas au calendrier, on n'a pas gardé la mémoire de tous, mais ils représentent près de 80% des saints du calendrier orthodoxe. Parmi ces martyrs, on peut citer deux d'entre eux qui sont représentés ici.
Saint Étienne, qui était un diacre et qui est le premier martyr, on l'appelle le proto-martyr. Il a été lapidé, il a vécu dans les tout débuts du christianisme, évidemment. Et on peut citer aussi un autre diacre, qui est Saint Laurent, qui a vécu au IIIe siècle à Rome et qui a été martyrisé en étant placé sur un grill. Ces deux martyrs, qui sont aussi des diacres, sont généralement représentés sur les portes nord et les portes sud de l'iconostase dans les églises. On peut citer ensuite une autre catégorie de saints, qui est celle des saints évêques. Des saints évêques qui ont brillé par leur zèle pastoral, comme saint Nicolas, qui est un saint très vénéré dans l'Église orthodoxe, mais aussi particulièrement vénéré en Lorraine. C'est le saint patron de la Lorraine, qui est la région où nous nous trouvons ici, et dont une partie des reliques se trouve à Saint-Nicolas-de-Port, à côté de Nancy. Il y a deux endroits seulement où se trouvent des reliques de Saint-Nicolas, Barry, où se trouve la plus grande partie de son corps, et Saint-Nicolas-de-Port. Et Saint-Nicolas-de-Port est un lieu de pèlerinage, non seulement pour les Lorrains, mais pour des orthodoxes, venus à l'occasion de sa fête au mois de décembre de toutes les régions de France et qui s'unissent aux catholiques pour le vénérer. Parmi les autres catégories d'évêques, il y a les saints docteurs, c'est-à-dire ceux qui sont devenus des pères de l'Église parce qu'ils ont exposé la foi à travers des ouvrages théologiques. Ils ont souvent défendu cette foi d'ailleurs contre les hérésies. On peut citer saint Basile le Grand, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze, qui sont également représentés dans le sanctuaire. Une autre catégorie de saints très importante est celle des saints anargyres. Nous en avons ici plusieurs représentations, celle de saint Pantaleimon, qui est le plus connu d'entre eux, saint Côme et saint Damien, qui sont également parmi les plus connus des anargyres, et une troisième représentation qui est celle de saint Julien d'Émèse, qu'on appelle aussi saint Élian de Homs, la ville de Homs en Syrie, qui était récemment une ville martyre avec la guerre du Moyen-Orient. Et les anargyres, ce sont des saints médecins qui soignaient gratuitement les malades et qui aussi accomplissaient des miracles de guérison, mais qui utilisaient l'art médical, mais qui en même temps, si vous voulez, à travers cet art médical ou autrement, guérissaient et guérissent encore aujourd'hui des maladies. C'est pourquoi ils sont très vénérés et très invoqués dans les églises orthodoxes. Une autre catégorie de saints très importante, c'est celle des moines et des moniales, qu'il faudrait presque mettre après la catégorie des martyrs chronologiquement. Parce que quand les grandes périodes de martyrs se sont terminées dans les premiers siècles, on peut dire que ce sont les saints ascètes qui les ont remplacés, parce que eux aussi, ils donnaient leur vie pour la foi, pour le Christ, mais d'une autre manière. On a parfois appelé la vie ascétique le martyr non sanglant. Et parmi ces moines et ces moniales, on peut citer saint Maxime le Confesseur, qui a la particularité d'avoir été un grand théologien, mais qui est resté toute sa vie un saint moine, qui a aussi une œuvre spirituelle très considérable à côté de son œuvre théologique. Et puis, il y a évidemment une variété de saints par laquelle je vais terminer, et qui est celle des saints princes, qui se sont caractérisés par une action en faveur de l'instauration du christianisme. Donc, ils ont été des contributeurs à la vie chrétienne par leur politique, si vous voulez. Donc, nous avons ici saint Sava, qui est le premier archevêque de l'Église serbe autocéphale, qui était le fils du roi de Serbie, qui est devenu moine après avoir donné toute sa fortune à l'Église. Et puis parmi les saints princes, il ne faut pas oublier celui auquel cette Église est dédiée, qui est le saint prince Lazare, qui a vécu au XIVe siècle, qui est mort à la bataille de Kosovo en défendant son peuple, qui, avant d'être mort martyr, a aussi été un très grand bienfaiteur de l'Église, constructeur de nombreuses églises et de nombreux monastères. Et donc on voit que tous ces saints princes
Ce n'est pas leur place supérieure dans la société qui les fait reconnaître comme des saints, mais au contraire le fait que souvent ils se soient abaissés même jusqu'à une condition modeste quand ils sont devenus moines, ou parce qu'ils ont consacré toute leur force et toute leur fortune au service de l'Église. Ce sont des gens qui ont donné leur vie pour le Christ. Voilà l'échelle dont je vous parlais tout à l'heure. Jean-Claude, beaucoup sont les saints qui sont vénérés et que nous prions de l'Église. Mais comment devient un saint ? La sainteté est le résultat d'un processus long et difficile, parce que nous ne sommes pas saints dès le départ. Nous sommes habités par des passions, c'est-à-dire diverses formes d'attachement à notre ego et aux objets du monde. La sainteté s'acquiert dans un processus qui est celui de la sanctification, qui peut s'exprimer symboliquement sous la forme d'un escalier comme celui que nous voyons ici, ou d'une échelle comme celle que nous voyons ici, avec des degrés successifs qui nous élèvent vers Dieu, qui nous mènent vers une perfection que, d'ailleurs, on n'atteint jamais complètement, puisque, comme nous l'avons dit, seul Dieu est parfaitement saint. Et donc, c'est un processus indéfini. Et ce processus de sanctification, il nous rend, dans une certaine mesure, saints dès le départ. C'est pour ça que saint Paul, quand il s'adresse aux fidèles des différentes églises locales, les appelle des saints. Il dit « aux saints de l'Église » ou « aux saints qui sont ici ou là », parce que dès qu'on est intégré à l'Église, c'est-à-dire au corps du Christ, alors on commence à recevoir la grâce et à mener la vie accordée à la grâce qui nous sanctifie. Et donc, c'est intéressant de préciser que la communion des saints, ça n'est pas seulement la communion des saints qui sont dans le ciel, des saints du passé, qui sont inscrits dans le calendrier, mais que c'est la communion de tous les fidèles entre eux, dans l'Église, et la communion de tous les fidèles avec les saints du passé. C'est-à-dire que tous les fidèles de l'Église forment une communion en dehors du temps qui les unit au Christ dans le Saint-Esprit. Ce processus de sanctification fait que chacun de nous dans l'Église est déjà un saint, mais à sa mesure. Il est très difficile de dire dans quelle mesure une personne est sainte. Les saints que nous reconnaissons, que nous vénérons, sont des gens dont la perfection est visible souvent parce que, du fait de la présence très grande de la grâce en eux, ils ont des charismes qui leur sont octroyés par l'Esprit. Ils ont un amour qui se manifeste d'une façon très forte dans une compassion que ressentent tous ceux qui les approchent. Ils ont une humilité très grande parce qu'ils ont réussi à s'oublier complètement eux-mêmes au profit de Dieu et au profit du prochain, et donc on les reconnaît comme ça. Mais pour les reconnaître, il faut aussi avoir le regard qu'il faut, n'est-ce pas ? Tout le monde ne peut pas reconnaître un saint comme ça, parce que un saint n'est pas quelqu'un qui va se promener avec un halo lumineux dans la rue et qu'on va pouvoir immédiatement reconnaître. Et donc c'est quelque chose qu'en fait, dans sa réalité profonde, Dieu seul connaît, Dieu seul est capable de mesurer pour chacun le degré dans lequel il est. Et quand vous posez la question « comment devient-on saint ?», je dirais que c'est une question presque qu'on ne doit pas se poser à soi-même, parce que ça ne doit pas être un but en soi. On ne doit pas chercher à devenir un saint, disait mon père spirituel. On doit chercher avant tout à vivre avec le Christ. Et le fait d'être un saint ou pas, c'est quelque chose qui, au fond, ne nous concerne pas. Donc, pour reprendre ce que vous avez dit, le devenir saint commence avec le baptême même.
Ah, bien sûr, dès que nous adhérons à la grâce qui nous est donnée dans les sacrements, à ce moment-là, nous nous engageons dans un processus de sanctification. Mais ce processus de sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est réalisé tout d'un coup, c'est quelque chose qui doit, parce que cela exige notre volonté, notre assentiment libre, eh bien, être affirmé en permanence par nous-mêmes à travers des efforts. Et donc ces efforts, c'est ce qu'on appelle l'ascèse. L'ascèse, c'est pas seulement, comme on le pense généralement, jeûner, ne pas dormir, travailler dur. L'ascèse, c'est tout simplement l'exercice que nous faisons en permanence pour une assimilation au Christ qui permet une union complète avec le Christ et de vivre par lui, de vivre en lui et de pouvoir dire, c'est ce que peuvent dire les saints qui ont été jusqu'au bout du chemin, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour revenir à ce que vous venez de dire, que la sainteté est donnée dans le baptême, et par le baptême, nous sommes dans l'Église. Y a-t-il une sainteté en dehors de l'Église? Une question difficile. Alors, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de sainteté en dehors de l'Église, puisque la sainteté, c'est la vie en Christ, donc la vie en dehors du Christ ne peut pas être une vie sainte, mais en dehors de l'Église, il peut y avoir des gens qui ont un comportement moral, qui sont des justes, qui sont des gens respectables par leur mode de vie, qui se rapprochent du mode de vie chrétien. Ces gens, Dieu les jugera. Saint Paul dit qu'ils seront jugés selon leur propre loi, mais on ne peut pas parler, si vous voulez, de sainteté. Hein, et la sainteté, c'est un concept vraiment chrétien qui n'a de sens que par rapport au christianisme. Avant le christianisme, il y avait des justes, il y avait des sages, il y avait des héros, mais la sainteté est un type d'humanité qui se définit par rapport au Christ et à la vie en Christ. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça signifie canoniser un saint ? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que dans l'Église orthodoxe, la canonisation ne se fait pas d'une façon pyramidale en partant du haut, par un décret du pape ou même d'un synode de l'Église, mais qu'on part de la base. On constate la sainteté de quelqu'un d'abord par le fait que la personne est vénéré par le peuple. Cette vénération se traduit par le fait que on prie cette personne comme un saint, on commence à peindre des icônes à son effigie. Il y a aussi des récits de sa vie qui sont écrits, on lui consacre des colloques, des études, et c'est quand ces critères existent d'abord qu'on commence, au niveau de l'Église officielle, à engager un processus de canonisation. Il y a d'autres facteurs aussi qui interviennent, mais qui ne sont pas absolus. Donc le critère principal reste celui de la sainteté de la vie qui est constatée. Et une fois que ces éléments que j'ai cités existent, alors ils sont confiés à une commission synodale qui ne fait pas un procès avec avocat et accusateur, comme cela se voit dans le catholicisme, par exemple, mais qui examine les éléments dont elle dispose, prend la décision officielle de reconnaître la personne comme saint, et la canonisation, ensuite, se déroule dans un cadre ecclésial, à travers un service liturgique, d'abord. Souvent, on commence par faire un service comme pour un défunt ordinaire, pour le repos de son âme. Mais ensuite, on fait un deuxième service, qui est un service de commémoration, comme il y en a pour tous les saints, avec vêpres, matines. La marque ecclésiale de la différence entre quelqu'un qui n'est pas saint et qu'il devient, c'est que quand il n'est pas saint, on prie pour lui, pour le repos de son âme, et quand il devient saint, on lui demande de prier pour nous. Jean-Claude, vous avez rencontré personnellement Saint Justin Popovitch. Mais je sais que vous avez aussi rencontré d'autres saints récemment canonisés. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces rencontres ? J'ai effectivement connu Saint Justin, dont nous avons l'icône ici, mais aussi Saint Païsios Latonite, Saint Sophronie, dont nous avons aussi les icônes dans cette église. Également aussi Saint Ephrem de Katounakia. Je dirais que tout d'abord, ils avaient des personnalités très différentes.
mais ces personnalités différentes exprimaient la même sainteté, c'est-à-dire la même proximité avec le Christ et la même perfection dans l'accomplissement des commandements divins, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et j'ai été très frappé par leur énorme amour vis-à-vis du prochain. Saint Justin Popovitch, qui est parfois présenté comme un théologien un peu austère, comme un maître, était d'une délicatesse extrême dans ses relations avec les gens. Je me souviens que lorsque j'étais arrivé à son monastère de Tchélié dans la soirée, j'étais un petit peu en retard et il était à l'extérieur du monastère pour attendre la voiture, alors qu'il avait tellement d'autres choses à faire. Père Sophronie, que j'ai connu aussi, avait une immense compassion pour ses visiteurs, pour tous les gens qu'il approchait, un immense amour, et beaucoup sont devenus orthodoxes uniquement à cause de cet amour qu'ils ont ressenti. Et c'était le cas aussi pour Père Ephrem de Katunaka, mais ce qui m'a frappé beaucoup chez lui, c'est son extrême humilité. Il avait une humilité qui était absolument perceptible, absolument sensible. C'était un homme de prière dont on ressentait la grâce. D'ailleurs, on ressent la grâce de tous les saints. Il y a quelque chose qui émane d'eux, si vous voulez. C'est pas une lumière visible, mais c'est une énergie positive, comme on dit habituellement aujourd'hui, qui est celle de leur amour. Et on est enveloppé par cet amour, sans être dominé, sans être écrasé. Au contraire, c'est un amour, si vous voulez, qui respecte profondément l'autre. Justement, c'est le sujet d'un livre donc, qui vient d'apparaître dans la collection que vous dirigez, Les grands spirituels du XXe siècle, le livre intitulé « Les ascètes au milieu du monde ». Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ces saints ? Oui, ce livre qui vient de paraître aux éditions des Sirtes a une particularité, c'est-à-dire que tous les saints qui avaient été présentés jusqu'à présent, enfin, tous les grands spirituels du XXe siècle, dont beaucoup sont devenus officiellement des saints, étaient des moines ou des évêques. Et la particularité de ce livre, c'est de présenter 43 vies de saints qui, pour la plupart, sont des saints qui ne sont pas encore au calendrier, qui ne le sont peut-être jamais, qui le seront peut-être, mais qui sont des laïcs, qui avaient des professions très simples. Il y a un coiffeur, un boulanger, un instituteur, un petit entrepreneur, des femmes au foyer, une infirmière, une directrice d'hospice, des gens donc de la vie de tous les jours qui ont des existences très modestes, qui sont souvent très pauvres, qui connaissent dans leur vie souvent beaucoup d'épreuves et qui sont des gens de prière, mais qui sont aussi, malgré leur grande pauvreté, d'une générosité extrême, qui donnent absolument tout ce qu'ils ont, qui vont même déposer des dons sous diverses formes de nourriture, de bois de chauffage, la nuit, chez des gens qui en manquent, pour ne pas se faire remarquer, pour qu'on ne sache pas que c'est eux qui ont fait ces dons. Et c'est un beau témoignage, justement, pour montrer qu'il est possible, de nos jours, d'accomplir la vie chrétienne dans sa perfection, quelle que soit la condition dans laquelle on se trouve. Il n'y a pas besoin d'être prêtre, moine, évêque. N'importe quel chrétien, laïc, ayant une famille, ou étant veuf, ou étant célibataire, peut mener la vie chrétienne dans sa perfection, ce qui définit la sainteté. Merci Jean-Claude de nous avoir rappelé que la vocation de nous tous, quelle que soit notre condition et notre mode de vie, est de devenir des saints.